Jodi la, ni 340 moun ki jan mort du COVID en Guadeloupe et ni 147 en Martinique. Ça veut dire qu'il y a plus de 200 Guadeloupéens qui mort du COVID. Et 200 là, ça, c'est entre août, septembre, octobre et novembre 2020. Et c'est pour ça que nous déposons plainte. Nous bisons, yo di nous la vérité. Comment se fait-il que yo abandonné Guadeloupéens et que jodi la, yo ka vin di nous comme ça, c'est seule la vaccination qui sauve nous. Nous ka di yo nous pas contre vaccination. Mais ça nous envie que vous expliquez nous et que vous dites nous. Comment se fait-il que vous abandonnez les protocoles sanitaires que vous mettez en place depuis avril 2020 pour te soigner Guadeloupéens, notamment au CHU? Comment se fait-il que vous abandonnez les protocoles sanitaires qui t'ont priorisé l'accompagnement des gens qui ont drépanocytose, les femmes enceintes, les gens qui ont obésité, les gens qui ont diabète, les gens qui ont maladies cardiovasculaires, les gens qui ni déficience immunitaire. Pourquoi yo abandonné encadrement à ces moun nan sa et après que yo mettez tout moun mélangé ensemble au CHU. Nous te ki anvi que yo di nou. Pourquoi yo arrêté soigner moun et que sel bitan yo te ka di moun rentrez chez vous, prenez un Doliprane et si vous avez des difficultés respiratoires, faites le 15. Pourquoi yo pas soigner moun? Yo pas ba moun les traitements qui ka existé que yo j'a expérimenté différents côtés. Pourquoi yo pas soigner moun? Pourquoi yo pas ka financer de la recherche FR professeur Henri Joseph pour yo pé continuer travail là qu'il commencé faire là? Pourquoi yo pas ka faire tous ces bitins là ça? Pourquoi yo pas ka mettre en politique de prévention pour pé aider mon au niveau nutritionnel, au niveau comportemental, au niveau hygiène de vie pour yo pé affronter virus là ça? Et jodi là parce que Guadeloupéen ka poser toutes ces questions là ça, yo ka dire que non ou ka faire pratique magico religieuse et que son couillon et nous ka vrai monde ka sorti tout partout bizin vinn ban nous leçon. Oh là, yo te ye pour yo te pe défendre Guadeloupéen. Donc c'est pour ça jodi là, nous ka di yo, di la vérité aux Guadeloupéens. Oui, virus la ka circulé. Mais oui, ni des mesures alternatives, ni des traitements alternatifs qu'on peut mettre en place. Oui, il faut continuer à faire la recherche. Oui, il faut soigner Guadeloupéens. C'est pour ça qu'a lancé un appel aux médecins. Soignez les Guadeloupéens. Mettez en place les protocoles qu'il faut pour soigner Guadeloupéens. Guadeloupéens, prends précaution, fais sport, prends vitamine C, prends vitamine D, prends zinc, prends Zébapé, quand nous soignons nous et en nous porter monnaie pour nous rendre nous corps en nous gaillard. Et en même dit temps, toutes ces mouns-là qui disent ben nous les bons conseils et patiti et patata, mais oh yo te ye les Guadeloupéens te ka crier misère et que nous te en difficulté. Donc ces jours-là, c'est pour ça nous ka dit. Quel que soit ça, l'État français peut dire et peut faire. Nous avons appelé la Guadeloupéen, les Guadeloupéens à la résistance. Meeting, vendredi au soir, Mounalo. Samedi matin, nous avons marché en la rue Capesté. L'autre semaine, nous avons marché en la rue Bouillante. L'autre semaine, nous avons marché en la rue Moule. Et nous avons continué à manifester pour défendre et le droit à la liberté. Pour défendre le droit à l'accès aux soins. En qui gens peut comprendre qu'aucun péché, un patient qui vient soigner, de rentrer à un hôpital public parce qu'il n'y a pas ni on passe sanitaire. En qui gens ou peut comprendre qu'il y a un péché en famille, vin vrai, en malade au CHU parce qu'il pas ni on passe sanitaire. Alors que yo même médecin a dit que pas ni meilleur bitin le monde malade que famille ay vini pour remonter moral ay. Et ça aussi important que médicament là. En qui gens ou peut obliger un monde vacciné s'il pas vacciné ou qu'a supprimer salaire ay ou qu'a la gayan la ri là dans la mendicité, dans la pauvreté liée famille ay. En qui gens peut prendre des mesures aussi discriminatoire, aussi qu'a mettre en cause les libertés fondamentales. Donc c'est pour ça, nous très à l'aise. Nous qu'a dit oui à la liberté. Les restrictions, c'est des exceptions. Jodi là, la liberté qu'a vu non exception. Ça inadmissible dans la société là, ça. Nous qu'a basculé dans une société dictatoriale. Donc c'est pour ça que nous, Guadeloupéens, si nous n'y comportement là, ça, jodi là, c'est parce que nous, c'est petite à souffrance. Petit à l'esclavage, petit à la colonisation, petit à la déportation, petit à discrimination, petit à mépris. Et nous connaître toute souffrance que moun j'a enduré sur la terre. Et c'est pour ça que les yo ka attaquer liberté sur toutes les formes, les yo ka attaquer moun sur toutes les formes, nous ka senti nous directement concernés parce que ça a dans ADN en nous. Souffrance là, ça y a dans ADN en nous et il forge nous. Et c'est pour ça que nous toujours que défendre le droit à la vie, le droit à la liberté, le droit à l'accès aux soins, le droit au service public, le droit de vivre et d'être soigné et de vivre bien. Et donc c'est pour ça que nous avons appelé Guadeloupéens à la résistance et à rébeller contre ce système-là qui veut faire de nous des moins que rien, des serpillères.